Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce Let's Play de Rune Factory 5. On s'était laissé donc après avoir passé la nuit. Mon micro est trop haut, merci. Après avoir passé la nuit, après avoir rencontré tout le monde, presque tout le monde en tout cas. Donc on va aller refaire notre rapport. Je crois qu'on a gagné de l'argent. Je sais pas combien on a vendu dans notre boîte d'expédition. Je ne sais pas parler. Capitaine Livia, j'ai rencontré tous les habitants de la ville. Bon travail. Te sens-tu bien dans cette petite ville? Oui, tout le monde est sympa. Je vais vite m'intégrer, j'en suis sûre. Ça m'étonnerait. Oui, tout le monde est sympa. T'as un drôle d'oiseau. Quoi? Je te dis que tout le monde est sympa. Ok. Non, rien. À chacun son rythme dans les relations. Au fait, Selene, as-tu vu le panneau d'affichage près de l'entrée du silo? Les habitants y inscrivent leurs demandes. J'aimerais que quelqu'un se charge d'en prendre connaissance et d'aider les habitants qui en ont besoin. C'est comme si c'était fait. Bonne réponse. Ta prochaine mission consistera à traiter une demande du panneau d'affichage. Une fois le problème de Priscilla résolu, reviens me voir. Oui, chef. Ok. On va lui reparler pour être sûr. Ah, c'est toi. Au cas où tu aurais oublié, je suis Livia, la capitaine de garnison, responsable du silo. Je sais que tu as beaucoup à gérer avec ton amnésie et tout ça, mais je te suggère de ne pas essayer de tout faire en même temps. Détends-toi, prends ton temps, fais ta part du travail à l'avant-poste. Je suis sûre que tes souvenirs finiront par te revenir de même. Je pense que tu as raison. Merci, capitaine Livia. Ok. Quelle belle journée. J'ai besoin de ça et de ça. Oh, et je devrais probablement prendre un peu de ça. Et oh, mon sac est déjà plein. Attends, il y a un truc là. On dirait que Lucie a lu un livre récemment. C'est elle arrêtée en plein milieu? Oh. Et toi, je peux pas voir ce que tu fais? Bref, c'est pas grave. Oh, bah tiens, parlons de l'eau. Le temps est superbe aujourd'hui. Dis, Julien m'a dit que tu vas vivre et travailler ici comme membre de l'Acide maintenant. Et pour une raison que j'ignore, il a décidé de te traiter comme sa plus grande rivale. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Bah, je sais pas. Je l'ai pas encore croisé. Quel élève à la... Ok, avant de commencer tout ça, on va... Oups. Pas la même chose? Ah, quand même. Évidemment, j'avance jamais droit. Hein. Oh, il y a plein de trucs. Pourquoi? J'aimais bien quand ça se ramassait tout seul. Un fil. Hop. Là. Et les dernières. Hop. Hop. Par contre, ça, je garde. Merci. Belle musique. Hein. Oh bon, tant qu'à faire. C'est d'ailleurs. Ok. Hop. Donc les navets c'est fait. Bon, comme à l'accoutumée, on devrait essayer de parler à tout le monde. Donc je vais essayer de faire la chasse au portrait. Qu'est-ce qu'elle a?
Margaret. Ah bah elle est là. Attends. Stop. Bonjour, le temps est superbe aujourd'hui. Profitons-en autant que possible. La boulangerie locale propose une variété de pâtisseries tout aussi savoureuses. Ça, tu l'as déjà dit. Bref. Ça, on l'a déjà vu. Okay. On va quand même prendre ça. Et première directive. Pour Célan. Après avoir lu ce message, rends-toi au silo et parle à Elisa. Elle devrait t'expliquer comment marche le système de demande. Devrait. Ce que j'aime bien, c'est que là, tu peux prendre plusieurs demandes, plusieurs requêtes. Dans le 1, tu devais toujours le faire une à la fois et laisser passer les jours jusqu'à ce que tu puisses en avoir plusieurs. Enfin, dans le 4, pardon, pas dans le 1, j'ai jamais fait le 1. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette caisse? Pourquoi a-t-elle un visage? Ouah, c'est pas très sympa de me traiter de caisse. Ah, la caisse a parlé. Comme je te l'ai dit, je ne suis pas une caisse. Malgré les apparences, sache que j'ai bien un nom, Sainte Elisa. Mais tu peux m'appeler Elisa, Elisa tout court. Moi j'ai fait Elisa tout à l'heure. Eh bien, c'est fastoche, il te suffit de suivre mes instructions et tout ira bien. Attends, maintenant que j'y pense, tu m'entends vraiment? Tu n'as pas l'air fiable du tout, mais tu as du potentiel. Ah oui? Fais pas attention, je me parle à moi-même. Sympa, tu m'insultes gratuitement. Sympa. D'ici, tu peux également changer la difficulté du jeu. Trois options sont disponibles, facile, normal et difficile. On dirait que tu es actuellement en mode normal. Reviens me voir si tu veux changer ça. Oui, je vais rester en mode normal. Je sais pas si je vais changer dans le 4, on verra en fonction. Mais il se peut que... Si je suis bloquée ou quoi, je passe en mode normal parce que la flamme. Par ailleurs, tu peux également accéder au système des directives. Si tu veux faire un essai, sélectionne la demande intitulée « Première directive » sur le panneau d'affichage. Je vais d'abord voir si au New Game Plus, ça serait pas plus simple de le faire de mon côté. De toute façon, je suis sur Switch, c'est pas comme si j'avais un petit trophée ou quoi à récupérer. Apparemment, tu as sélectionné la demande postée par Libby. Ai-je choisi une tâche risquée ? Dangereuse, c'est possible. Je pense néanmoins que ça dépend de comment tu abordes la tâche. Bon, étant donné que Livy t'a assigné cette tâche, je n'ai pas le choix. Pour l'heure, je vais donc considérer que tu es apte à utiliser le système des directives. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peux-tu savoir si je suis apte? Tout est dans le titre. C'est un système qui te permet de créer de nouvelles règles pour la ville. Tout comprendra plus vite si tu essaies par toi-même. À présent, mettons des directives en place. Je peux augmenter la taille de mon sac et du mobilier. Donc 156 points. Agrandir le sac. Hein? C'est 50 points, il m'en reste 146, c'est pas logique. Ok, c'est parti. Ça a dû bugger. J'ai agrandi mon sac. Je peux porter bien plus de choses qu'avant. Pas mal du tout. Tu as l'air d'avoir compris le principe. Comme tu viens de le faire, utilise des points site pour créer toutes sortes de nouvelles règles et favoriser la croissance de la ville. C'est quoi les points site? C'est ce qui était affiché en haut à droite de l'écran pendant que tu créais des directives. Ce score est une représentation numérique de la confiance que les habitants t'accordent. Tu gagneras des points site en aidant les habitants de la ville ou en allant ratatiner des monstres. Tu peux aussi en obtenir en expédiant des objets ou simplement en discutant chaque jour avec les habitants. Tu en obtiendras même selon tes performances dans les festivals. Les festivals? Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais m'interrompre? Certainement pas. Maintenant, essaie de créer une directive pour organiser un festival. Mais avant, je vais généreusement t'accorder avec un T quelques points SID. Vous avez reçu 1000 points SID. Ne me fais pas travailler plus que nécessaire, PG. Allez, mets-toi en place des directives. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est bien. J'ai bien perdu 50 points. Donc, je vais pas prendre le concours de cuisine parce que j'ai pas encore de recettes. Vu qu'on est le 3, j'aurai pas le temps vraiment de récolter de l'argent pour en choper. Donc, on va faire le concours de lancer de haricots. Parce que concours de pêche, je peux pas. J'ai pas la canne à pêche. Festival des fleurs peut être intéressant, mais c'est un peu trop loin. Et puis, j'ai pas assez de points. Donc, on va espérer pouvoir participer à ça. Ok, c'est parti. Lancer de haricots. J'aime trop le design de ce truc. Parfait, j'ai utilisé une directive pour mettre en place un concours de lancer de haricots. Il ne reste plus qu'à attendre le printemps de l'île. Pas mal pour un début.
Étant donné que tu apprends encore les ficelles du métier, je vais devoir te surveiller pour l'instant. Au début, les directives que tu pourras mettre en place ne sont pas nombreuses. Mais tes possibilités s'étofferont avec le temps. Essaie de résoudre de grosses affaires ou de discuter avec les habitants. Pardon. C'est un mail important. Ok. C'est juste un message qui me disait vous avez bien reçu le mail. J'ai rien. Ok. Tu pourrais même essayer d'acquérir de nouveaux meubles. Donc, je me disais, ce système de directive est une sacrée charge, je trouve. Ça me semble relever de la responsabilité d'une personne importante, comme un maire. Attends. Ça veut dire... Tout à fait. C'était le travail d'Olivia. Son travail? Alors pourquoi dois-je gérer ça? Hors de question. Ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas le faire. Pourquoi te mets-tu dans un état pareil? C'est vrai que le système des directives t'octroie beaucoup de pouvoir. Et selon la façon dont tu utilises ce pouvoir, il peut servir à rendre les gens heureux, mais peut aussi faire l'inverse. Toutefois, les directives ne sont pas la réponse à tout. Comme je te l'ai dit, tes actions sont limitées au début. Mais il n'y a pas de mais qui tienne, écoute-moi, tout dépendra de toi. C'est à toi de décider si tu veux utiliser ce pouvoir ou non. Si tu ne le sens pas, ne le fais pas, selon moi c'est un choix qui peut se justifier. Surtout que c'est un fardeau pour moi aussi. Mais comme tu entends vraiment ma voix, c'est bien toi que Livia a choisi. Si c'est toi qui en prends les responsabilités, je crois que tu accompliras des merveilles. Bon, tu n'as pas l'air très enthousiaste. Allez, souris un peu. Je vais aller dire à Livia que tu as réussi à traiter sa demande. Ok, parler à Elisa. Terminé. Bonjour, c'est une belle journée. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? As-tu des passions pour t'occuper pendant ton... Hein? What? As-tu des passions pour t'occuper pendant ton temps libre? Rien de particulier. Et toi, capitaine? J'ai réfléchi à plusieurs activités auxquelles j'aimerais essayer. Mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les faire. Ok. Bon, on a parlé à tout le monde ici. Hop. Margaret, on lui a parlé. Bien. 13 minutes déjà. Bon, on va juste faire la deuxième directive. 10h du matin, bon, au moins maintenant on a du temps. Je sais quelle heure il est. Je vais voir si je peux choper des trucs. Ah, mamie qui est là. Bonjour ma puce, n'est-ce pas une journée splendide? Un temps aussi doux et ensoleillé me donne le sourire et l'envie de sautiller. Bienvenue, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je suis là pour discuter. Donc c'est ici qu'on prend les pains recettes, que ce soit armes et tout ça. Pandolf est un homme si merveilleux. Il l'a toujours été dès le premier jour de notre rencontre. Est-ce qu'il a toujours été boulanger? Non, la boulangerie appartient à ma famille depuis longtemps. Quand nous nous sommes rencontrés, il exerçait un autre métier. D'accord, d'accord. On va faire la quête ici. Salut Senel, es-tu là pour ma demande? Wop. Wop. C'est la porte verrouillée? Oui. Peut-être un tout petit peu augmenter le son du jeu. Tout petit peu. Tu as raison, impossible de l'ouvrir. Tu as perdu la clé? Non, mais c'est ma sœur qui l'a. Enfin, c'est ma grande sœur qui l'a. Ok, il suffit de lui demander. C'est ça le problème. Elle n'est pas sortie du restaurant depuis des jours. Oh non, tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Il faut agir. Zut, pas de réponse. Priscilla, m'autorises-tu à enfoncer la porte? Hein? Oui. Ok, c'est parti. Boing.
Aïe, ça ne bouge pas. Que se passe-t-il? La sœur de Priscilla est enfermée et on n'arrive pas à ouvrir. Poussez-vous. Je demande ici gentiment. Pâté. C'est plus solide qu'il n'y paraît. D'accord. Riker? Riker. Des rivaux? Les forgerons sont des brutes. Quand on n'a qu'un marteau, je suppose que tout a l'air en un clou. Je vois. C'est ouvert. Cette serrure est un jeu d'enfant pour moi. Voleur. Impressionnant. Voleur, une vie de criminelle pourrait te convenir. Très drôle. Un jour, je serai le bras droit de Palmo, tu verras. Merci tout le monde, je vous dédommagerai dès que je... Pas la peine. Je me suis arrêtée là. Enfin, j'ai discuté à tout le monde, je me suis arrêtée là dans ma partie chez moi. Mais... On a fait ça pour une bonne raison, non? Entre. Allons-y, Priscilla. Je suis juste derrière toi. Mignon comme restaurant. Je sais pas prononcer ce nom, donc je ne le prononcerai pas. Je suppose que c'est Elsium, mais dans le doute. Pas. Hein? Qu'ai-je entendu? Oh, trop choupinote. Trop choupinote. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, où est ma sœur? Donc c'est L.E.C. Ok. L.E.C. Oh, je prononcerai pas son nom. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Typique de sa part. Priscilla, qui est-ce? Oh, c'est vrai, vous ne vous êtes pas rencontrés. Je te présente Fuka. Elle travaille à temps partiel dans notre restaurant. Elle dit qu'elle est ravie de te rencontrer. De même, ou devrais-je dire... revoir. Elle t'a comprise, t'en fais pas. Oh, vraiment? Elle dit qu'elle connaît plein de mots. Incroyable. Je sais, elle a soif d'apprendre. Non, c'est toi qui m'impressionne, Priscilla. Comment comprends-tu ce que dit Fuka? Oh, c'est facile. Je suis sûre que tu la comprendras avec l'habitude. Le langage de Fuka s'écoute moins qu'il ne se voit et ne s'interprète. S'interprète, ça se complique. Hein, peux-tu répéter, s'il te plaît? Encore une fois? Quel est ton nom? Impressionnant, personne ne l'a jamais comprise aussi vite. Enfin, si vite.
C'est étrange. J'ai observé ses gestes et ses expressions et les mots se sont formés dans mon esprit. Tu me comprends, soyons amis. Oh, merci. Je suis Selene. Merci pour ton amitié, Fuka. Yoroshiku. C'était du langage humain. Priscilla m'apprend le langage humain. En échange, Fuka m'enseigne celui des animaux garous. Vraiment, j'adorerais que tu me l'enseignes aussi à l'occasion. Avec plaisir. Que se passe-t-il? Ne me dis pas bonjour, tu as disparu pendant des jours, je me faisais un semblant. J'en ai assez, je vais mettre un rappel ici pour que tu le vois tous les jours. Tu es la sœur de Priscilla, n'est-ce pas? Et tu es? Je suis Selene, la nouvelle recrue de la sigle. Ravie de te rencontrer! Pourquoi les gens ne baissent-ils pas d'un ton? C'est comme ça que tu te présentes? Selene fait simplement preuve de politesse. C'est un peu la chlorique à du 5, je suppose. Ça ne va pas être possible. Excuse-la. Elle se lève toujours du mauvais pied. C'est sans importance. Elle va bien, c'est ce qui compte. Selene, voici un cadeau pour te remercier d'avoir résolu mon problème. Yeah, j'ai plein de potions. Wouhou! Tu me dis quelque chose. On s'est rencontrés plus tôt, je suis Selene. Oh, ravie de te rencontrer encore une fois. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut partir. On va discuter avec tout le monde, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Regarde-moi la taille de cette encre. Mais pourquoi avoir choisi un thème naval pour le restaurant? Pose pas de questions. Bonjour, belle journée, n'est-ce pas? Le temps parfait pour faire des visites à domicile. As-tu rencontré mon fils? Il a beau sembler un peu filou, c'est un garçon joyeux et attachant. Par contre, le pauvre petit ne retrouverait pas sa route dans sa propre maison. On vient toujours me rapporter qu'il s'est perdu ici ou là. Si tu tombes sur lui, j'apprécierais que tu le salues et peut-être que tu lui indiques le chemin de la maison. Ok. Ben, si je le croise, je n'y manquerai pas. Comme toujours, on va faire d'abord cette partie-ci. Oula, mais il y a beaucoup de monde ici, dis donc. Déjà, faisons cet étage. Salut, Fuka. Salut, Selene. Que se passe-t-il? Tes yeux sont étincelants. J'aime tout ce qui est étincelant. Comme tes yeux. Merci, Fuka. Tes yeux me plaisent aussi. Moi, c'est ses oreilles que j'aime bien. Et puis sa petite queue. Trou choupinou. Vraiment? Je ne peux pas voir mes propres yeux. C'est pas évident, pas vrai. Tu prends un miroir et tu pourras les voir. Moi, j'aime bien sa petite touffe de cheveux, ses yeux, ses petites queues, trop choupinottes.
Oui, j'aime toujours les animaux, les hommes animaux. Salut Célène. Salut Ina, contente de te voir. Ouais, tu te sens mieux maintenant? Tu n'as pas mal quelque part? Non, je suis en pleine forme. Ah ouf, je suis rassurée. Bon, pour cette partie, je vais choisir un husbando, évidemment. Je ne sais pas encore qui. Et pour la prochaine partie, bah, je ferai toutes les romances possibles, hein, mais je ne sais pas si je vais devoir à chaque fois recommencer pour pouvoir les faire. Ou si je peux les faire tous en une fois. Ça, il va falloir que je me renseigne. Oh, bonjour Randolph. Tiens, bonjour, content de te voir. Viens donc nous rendre visite à Yuki et à moi un de ces jours. Nous serons toujours heureux de faire un brin de concert avec toi. Ok, tu l'as déjà dit. Oh, salut à toi, Célène. Tu as besoin de moi? Accepterais-tu de me parler de ta boutique? Parler boutique, bien sûr, tu sais comme j'aime parler boutique. Je vais te donner les meilleures explications possibles. Ça va encore être un long épisode, je le sens. Oui, s'il te plaît. Ici, au Cristalabra, nous travaillons dans le domaine de la magie et des capacités runiques. Ah, et les cristaux? Oui, je me doutais que tu allais demander. On pourrait penser qu'une boutique de cristaux va vendre des cristaux, hein. Je pensais la même chose à la base, mais ce n'est pas le cas. Le fait que ça fonctionne tient du miracle, tu ne trouves pas? C'est plutôt déroutant, si tu veux mon avis. Pourquoi ne vendez-vous pas de cristaux, alors? Eh bien, c'est juste que nous avons rempli les étagères de sorts et de capacités runiques, si bien que nous n'avions plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Tout remettre en place comme avant représenterait trop de travail, alors j'ai décidé de continuer comme ça. Mais je m'apprête à vendre de nouveau, à vendre de nouveau des cristaux, ne t'inquiète pas, sérieusement. Ok. Je t'ai passé à travers. Avec un beau temps pareil, j'ai envie de pique-niquer, et toi? Hey, dis-moi, es-tu vraiment en musique? Tu ne fais pas semblant, hein? Hein? Pourquoi ferais-je semblant? Ouais, tu as raison. Pardon, tu n'es pas du genre à monter une telle supercherie. Oublie ce que je t'ai dit. C'est quoi le problème, Doug? T'as un problème? Tu voles aussi. Doug, tu voles. Doug, tu voles. Ok, pas grave. Descendons. Il n'y a personne en bas. Ok. Il y a des gens en haut? Pourquoi qu'on m'appelle? Je vais me mute. Hey, dis-moi ton secret, comment tu fais pour avoir toujours autant d'énergie? Et je suis très motivée. Non. Vraiment, tiens, je comprends pas vraiment ça. Chacun son truc après tout. C'est parce que t'es un voleur, je suis sûre que t'es un voleur. Landibuleuse salutation, comment vas-tu en cette belle journée? Je vais très bien. Peux-tu me parler un peu de ta boutique? Absolument, ce serait un plaisir, un honneur, que dis-je, un privilège. Studio Palmo n'est pas un simple fournisseur de mobilier et d'ustensiles de cuisine. Nous pouvons également agrandir les autres boutiques. Attends, ça veut dire qu'on peut moderniser le lieu de travail des commerçants sans même leur demander leur permission? Non, 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 ma chère Célène. Ce n'est pas une simple modernisation. C'est de là. Je crois pas que cette justification suffira aux commerçants. En tant qu'architecte à l'origine de la plupart des bâtiments de Rigbard, je pense que quelques extensions de ci, de là ne devraient pas poser de problème. J'irais même jusqu'à dire que les occupants ne pourront que se réjouir de cette surprise. J'espère que tu as raison. La modification d'une boutique est aussi l'occasion d'un changement d'état d'esprit. Agrandir un établissement ne peut qu'apporter un changement heureux, je te le garantis. S'il y a une demande à traiter, rends-nous visite au studio Palmo. Ok. Du coup.
Qu'est-ce qui nous reste? Donc là, c'est fait. On doit faire le bain. On a fait les cristaux. Il y a Cécile qui est dehors. Elle est là. Yo! Yo, Célène, qu'est-ce qui t'amène? C'est toujours un plaisir de te voir. Dis, Murakumo, peux-tu m'expliquer comment fonctionne l'auberge? Pas de problème. Nos bains sont sans doute le meilleur atout de notre auberge. L'eau provient directement de la source et nous permet de proposer ici un spa aux bienfaits naturels. En te baignant ici, tu récupères des PR et tu guéris de l'épuisement en un clin d'œil. Ouah, génial! Nous pouvons même ajouter des plantes médicinales pour faire des bains médicinaux. Ils ont toutes sortes de bienfaits, tu devrais essayer à l'occasion. Et voyons, oui, je sais. Je vais t'offrir 5 bains gratuits juste pour toi, Selene. Vraiment, tu es sûre? Si je te le dis, c'est que c'est vrai. Vois ça comme un cadeau pour te remercier d'avoir sauvé Ina. À vrai dire, j'aimerais pouvoir en faire plus pour toi. Merci beaucoup. Vivement que tu viennes à la bonne vieille auberge de la Lune Bleue. Qui nous reste-t-il encore à vérifier que je finisse cet épisode? Ouh, ça lag. Cet épisode assez vite. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Les trois, quatre bâtiments là, c'est fait. L'auberge et le restaurant, c'est fait. On va aller à l'épicerie. À l'épicerie, il y a quelqu'un que j'ai pas encore croisé. Puis ici, là, c'est fait. Cécile a disparu. Bon, bref, c'est pas grave. D'abord à l'épicerie. Oups. Voilà. Après, il y a Juliane aussi que j'ai pas encore croisée. Enfin bon. Salut, contente de te voir, Célène. Salut, Terry. Puis-je te demander ce que tu vends ici? Nous sommes une épicerie généraliste, donc tu trouveras un peu de tout. Mais à vrai dire, notre sélection est assez limitée en ce moment. Nous avons des graines, des outils et des objets de collection. Mais la plupart d'entre eux sont en rupture de stock. Ah, je vois. Ok. Ça, c'est fait. Vite. Le temps joue contre nous. Non, ça, c'est un trou. Dommage qu'ils font pas comme dans le 4 où on peut savoir à qui on a déjà parlé et à qui on n'a pas encore parlé. Oh, il est parti, Martin. Si je pouvais, je choisirais toujours le soleil. C'est plus facile de travailler que sous la pluie. Bienvenue, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Juste de discuter. Tu commences à prendre racine en ville? Ouais, ça va. Tout le monde est si bienveillant. C'est comme si j'avais passé ma vie ici. Ah, c'est pas comme ça dans les grandes villes de Norad. Ici, tout le monde se connaît. Ça, c'est pas. Bon, il y a des personnes qui ont disparu. Dommage. Tant pis. Donc, hop là, toi, tu vas aller là-dedans. Voilà. Toujours de l'argent. Ok, je vais aller sauvegarder. Elle veut bien. Et on va s'arrêter là. La prochaine fois, on remettra donc notre quête et on parlera aux gens qu'on n'a pas su croiser. Et je crois que aux gens qu'on n'a pas su croiser. Ah mais je les ai oubliés là. Ouais, c'est ici qu'ils sont. Bon allez, on va vite aller leur parler vu que je les ai trouvés. Vite vite. Et ensuite, j'irai sauvegarder. Et je m'arrêterai là pour cet épisode, sinon ça sera trop long. Je remettrai la quête juste après. Alors, vous êtes en train de manger. Grommel, Marmon. D'après les préceptes du métier de forgeron, il est essentiel de visualiser l'utilisateur final pour créer un objet de qualité. Oula, oula. bonjour Martin. T'es un peu proche, hein, mon coco. Oh, Célène, qu'y a-t-il? C'est à moi de te demander ça. Je suis là depuis quelque temps déjà et tu ne m'as même pas remarqué. Ah, j'étais absorbée par mes révisions des leçons de Maître Darok. Ça t'arrive souvent? De temps en temps. Quand je me concentre, je ne vois rien d'autre que ce qui est devant moi. J'étais justement devant toi et tu ne m'as pas vu. Ne le fais pas en marchant, d'accord? Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose.
Ne t'inquiète pas, j'ai toujours des plantes médicinales sous la main en cas d'accident. Bonjour, bonjour, je ne sais pas, blablabla. C'est parti, il est temps de découvrir de nouveaux mystères. Ce sac vient de la boulangerie, tu es allé acheter du pain frais? Salut Salane, en fait j'ai acheté un sandwich aux fruits. Martin est tellement pris par sa formation en ce moment, je me suis dit que j'allais lui apporter un petit truc à manger. C'est très gentil de ta part, tu lui diras que je trouve qu'il fait du bon boulot. Ça marche. Hop, allez, on va aller sauvegarder. Et je vais m'arrêter là. Je vous dis déjà à la prochaine. Bye bye!